self-medicating, craving punishment. Blaming myself for a world on fire. Shame, no more pity, no more. Il m'a dit bonjour gros. Il m'a dit bonjour, c'est bon. Et ça s'appelle comment ta F compagnie là? C'est comment ça? S un préposant. Attends. S un propos. Attends. Slash HMG. Je dis que t'es un. Attends. Attends, on voit. Ah oui, bien. Je dis que t'es juste un joueur. T'es un utilisateur. Non. Si si. Non, dis que je suis patron. Non, sinon je viens voir. C'est nul. C'est un partenaire. Je suis pas intéressé. T'es un partenaire, mais genre. Mais t'es d'une autre société. T'es le patron, mais. D'une autre société. Non, mais je suis patron, ça va être le patron. Oui, mais t'es le patron d'une autre société. Attends. C'est. Attends. Attends, je vais mettre. Mais t'as mis combien de personnes, là? Soit à de la flemme. Attends. Non mais le film tu l'enlèves, j'en veux pas. Non. Pouvons-nous commencer? C'est sûr. Avant toute chose. Quel âge? Attends, là c'est bon mon gars, là c'est bon. Non, mais non, je te rappelle, t'es un partenaire, hein, t'es un chef d'entreprise, mec. Ouais. C'est un entretien en privé, oui, mais... Bah, je sais pas, il y a ajouté un gars. Laisse-le, on aura deux kikou, mon gars, on aura deux kikou. Non. 16 ans. Non, un seul, ça suffit, en fait. Quoi? J'en prends qu'un seul, l'autre, j'en veux pas. J'ai ma carte et tout. Sa carte, quelle carte? Est-ce que tu fais... Ça vient. Nous prenons les partenaires à partir de 14 ans. Vous avez donc... 14 ans, le mec, il dit encore partenaire 14 ans. Attends, je vais filmer, je vais regarder ça, là. Attends, donc du coup, vous êtes donc né en 2001. En 2001? Bah oui, il a 16 ans, il est en 2001. Je sais pas, moi je suis pas né en 2001. Attends, après mec, on l'appelle, et c'est bon ça. On va quand même rester en Steam, je sais pas si on peut essayer les deux en même temps. Bah au pire, non mais on met Steam en attente. Non, on s'en bat les couilles, on peut mettre Steam, comme ça on met en mute attends, quelques voix sur le scale. Alors on va faire un truc, attends, on va faire le truc. Est-ce que tu filmes? Moi? Ouais. Tu vois, j'ai lancé juste pour ça. Ah bah oui. C'est tout. Alors salut à tous les gens, aujourd'hui on se retrouve pour non. Des gens. Non mais t'es pas obligé de faire l'intro, c'est bon. Ah mais si, bah attends, je suis... Non mais j'aurais fait en off ou quoi que ce soit. Faut qu'ils comprennent. Mais j'aurais fait en off, gros, vas-y. Non, tu fais pas en off, tu sais pas monter, je te rappelle. Si, je sais monter. Mais j'avoue, non, j'ai mieux monté que lui, putain. Je fais une autre intro. Donc, du coup, on a été sur Minecraft, un cube, et là, on se fait passer pour une course. Déjà, avant de dire ça, tu dis bonjour à mes abonnés, ok? Ouais, bonjour les abonnés, voilà. C'est bon. Donc, en gros, on s'est passé pour une compagnie Minecraft, et en gros, là, on a trouvé des petits... Minecraft Ken, plutôt? Il a 16 ans, mais bon. Des gens assez crédules, et on va essayer de les trouver. Bon, de les troller, pas de les trouver. Pardon, on est occupé, et oui, désolé. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Faut savoir. Ah, mensonge niveau l'âge. Attends. Et là, j'ai dit coucou comme un kikou. Pouvons-nous appeler mon collègue et moi? Pouvons-nous appeler mon collègue et moi? Ah, par contre, son capté de flamme, j'en veux pas.
Putain. Alors, là, c'est... Alors, attends, mec, attends. Toi, je te rappelle, t'es un partenaire d'une autre... T'es une autre entreprise. T'es patron d'une autre entreprise et qui, lui, s'occupe de mettre en relation les gens. C'est... Ah ouais, mais t'es comme ça, toi. Trouve-toi un nom. Hein? Trouve-toi un nom de compagnie. Corporation. Non. Un truc qui fasse, bien sûr, mais pour sécurité première, au début, vous allez couper les vocales. Putain, gars, C'est-à-dire, il est putain, waouh! mais pour sécurité première, au début, nous allons couper les vocales. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ça sert à rien du tout, ça sert à rien. Pour ça, on fait un entretien tous les deux entre eux, ça Très sert bien. plus à rien. Cela nous va. Non, Attends, toi, ça te je vais va, mais ça me t'inventer va un pas. nom. La comment là? La French? Non. Non, la confrérie des frères. C'est une règle de sécurité. Oh, ça nique mes oreilles. C'est parti. Oh, j'en vais vite fait. Pourquoi t'es parti dedans Ah, là? je crois que ça ne marche pas. Ça, t'es parti dedans. Je crois que ça ne marche pas. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends, moi. Non, ça c'est. Ouais, mais sur le truc, je crois qu'on ne m'entend pas. Ah. Est-ce que tu peux signifier à nos chers collègues, s'ils nous entendent pas, s'ils ne Attends. m'entendent pas, que je suis actuellement en problème, Non. justement? Non, t'es pas dedans, t'es bugué, t'es raccroché. Ah. Suis rentré dedans, je me suis mis en mute. Attends, Ouais. je vais me mettre en mode. J'ai lancé le vrai Skype. Je vais lancer le vrai Skype, mon gars. Dis-leur que j'arrive, dis-leur que j'arrive. Je lance juste un truc parce que, attends, là, mec, on a fait la casse du siècle. Il veut vraiment s'amuser à faire ça. Ah, mais ouais. C'est-à-dire qu'à la base on devait juste jouer troller pour le fun, mais là il est parti dans un délire. Non mais des gens comme ça c'est des trucs en or. Est parti dans un délire. Attends, pseudo scale. Merde, le mot de passe c'est quoi? Ouais, c'est bon ça. Ah non, Skype ne veut pas se connecter. Ah non. Le fun. Pour se connecter. Bon. Ah, attends. De toute façon, je vais aller sur le jeu vite fait pour le fun, non? Compliqué, hein. Vais y arriver un jour. Au pire, je me crée un compte, mais juste pour ça. Là, c'est Ah, une je vaccination pense. que j'ai pour ça. Ah, je me crée un compte juste pour ça. Je vais mettre F compagnie. Ah non, mais ça marche pas non plus. Vas-y. Ah non, mais ça marche plus. Attends. Je suis dans le mal. Je vais râler sur le web. Là, je suis déçu. Attends. Votre compte est inaccessible. Pourquoi mon compte est inaccessible? Je ne sais pas. Peut-être que tu as fait tout patrie catholique avec. Non, j'ai dû pas faire un truc catholique. Je pense. Ah ouais, moi je me connectais à Skype Web. Mon chien.
je vais essayer de faire un appel, mec. Est-ce que t'es encore dessus? Ouais. Attends, je vais tester un truc. En fait, j'ai quand même cherché quelqu'un sur le micro pendant que t'arrives. C'est toi qui rappelle là? Hein? Ah, ok. Bonjour, bonjour, est-ce qu'on me reçoit? Apparemment oui. Apparemment oui, est-ce que tout le monde est là? Apparemment mon collègue a un problème. Mon collègue. Quoi? Non, je suis sur Minecraft quand je fais un truc là. Mon collègue, est-ce que... Attendez deux secondes. Pouvons-nous faire sans lui? Alors écoutez, j'aurais bien aimé pouvoir Je fais juste un truc. Ouais. Car c'est un... car c'est la personne qui est le DRH de notre... de notre partenaire qui met en relation les personnes comme vous. Donc qui sont intéressées par le projet, en fait. Comment dire, c'est un organisme qui se charge des relations sociales. Voilà. Donc, je vais pas vous cacher, donc nous, notre but, la F Company, c'est de rechercher les... des builders Minecraft, entre guillemets, pour faire quelque chose de grand. Donc, c'est-à-dire, nous avons aussi d'autres personnes qui travaillent sur de l'IRL, c'est-à-dire dans les bâtiments. Nous sommes aussi une start-up débutante, donc c'est... Je crois qu'ils sont un peu ta gueule, non donc, nous sommes des étudiants qui nous occupons de... J'ai pas étudiant, enculé. Voilà, tout simplement de recruter des gens comme vous, donc que ce soit en jeu ou en vrai. Donc si vous êtes intéressé par la documentation sur notre société, ce qu'on a fait comme bâtiment, etc., libre à vous de nous en demander. Donc pourquoi on veut nous en... Excusez-moi, mes petits papiers qui sont... qui se gênent tout seul, voilà. C'est la présentation, voilà, donc excusez-moi. Ça, c'est les papiers administratifs que j'ai et tout, donc voilà. Donc du coup, donc là on est en phase de in-game, notamment sur le jeu Minecraft, on fait aussi des recrutements sur un petit peu tous les jeux bac à sable, on peut construire un peu comme on veut. Et donc nous baladons sur des zones actuellement, sur le serveur Minecraft, le premier serveur français, si je ne m'abuse, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc je suis tombé actuellement sur votre zone. Donc je pense que c'est votre zone à deux, je sais pas qui se charge des. Qui est le plus dégradé parmi vous. Enfin, bref, si vous êtes là tous les deux, je pense que vous avez un lien avec cette zone. Si c'est pas ça, coupez-moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Je t'en réponds de votre part, parce que si jamais voilà, si... Franchement, on s'y croit à ce que je lui dis, putain, je me... Est-ce que vous me recevez? Est-ce que je parle dans le vide depuis tout à l'heure? Non, il te reçoit vu qu'ils envoient des messages. Ok. Je sais que vous avez des raisons de sécurité aussi. Ils sont chers à notre cœur et à vous aussi apparemment, puisque vous avez des raisons de sécurité aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que vous arrivez à communiquer? Est-ce que vous arrivez à envoyer des textes, des messages par Skype? Est-ce que vous pouvez envoyer un message pour prouver que vous écoutez, ou que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours présent? D'accord. Très bien. Vous êtes toujours là? Attendez. Ah oui, d'accord. Ah, excusez-moi. Je n'avais pas du tout le truc devant moi. Comment ça? Excusez-moi, je n'ai pas vu du tout vos anciens messages. Donc vous êtes une compagnie qui est directement en France, je viens de t'annoncer. C'est moi, nous sommes deux, et le flemme est tout gradé. Exactement, nous sommes le seul responsable, c'est bien, c'est ok, oui, oui. Merci de cette description sur le projet. Voilà, donc voilà, je viens de voir vos messages maintenant, j'avais totalement une autre fenêtre. Voilà. Nous écoutons, d'accord. Merci bien. Je n'avais pas du tout la fenêtre. Voilà. Exactement. Donc du coup, est-ce que vous avez bien compris quand même le projet? Parce que je pense avoir été quand même assez vague. Ça peut être. Ah oui. Donc voilà, donc maintenant on va passer dans un petit peu plus le vif du sujet. Donc nous sommes bien évidemment une société professionnelle qui, bien évidemment, rémunérons nos salariés, entre guillemets. Nous n'avons pas de contrat
contrat établi et écrit, donc des contrats verbaux, ce qui veut dire que ce contrat engage par la parole, donc il a beau être pas respecté, malheureusement on n'a pas moins l'impression parce que nous ne sommes pas agrégés par l'État, parce que nous sommes une start-up, voilà les petits problèmes, on est une petite entreprise, voilà. Bref, et donc du coup, on a vu cette zone qui avait totalement l'air et le, comment dire, le tact que nous recherchons, c'est-à-dire puisque nous voulons bâtir quelque chose sur une sur un serveur, en fait, nous allons acheter un serveur au nom de la S-Compagnie qui permet de mettre tous les jeunes talents faisant leur construction sur un thème, ou alors par leur grande créativité. Donc là, apparemment, vous avez une très grande créativité, puisque votre chalet, si j'ai bien compris, on aimerait recevoir une fiche pour le contrat pour voir les conditions. Oui, bien sûr. Alors, le contrat est fait par, normalement, mon collègue, par, ouais. Normalement, qui est censé être là, mais apparemment, qu'il y a des problèmes, apparemment. On essaiera de faire ça. Donc, du coup, les contrats se font, on n'a pas de, non, pas trop chalet, mais plutôt une maison partie. Oui, d'accord. C'est bien, ça reste dans le thème, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc du coup, vraiment, il n'y a rien d'officiel, parce que c'est déjà pas officiel. Et ça n'avait pas du tout plu à nos anciens collaborateurs, qui en fait ont vraiment eu peur de s'engager dans quelque chose. Du coup, les contrats verbaux, comme je vous dis, c'est verbal, il y aura des petits trucs écrits. Vraiment, il n'y a rien d'officiel, il n'y a vraiment rien qui engage, vous pouvez vous destituer à n'importe quoi, etc. Bref, donc du coup, la rémunération, bien évidemment. Donc au début, vous toucherez un contrat. Comment on appelle ça? Un contrat, comment on appelle ça? Pour pas qu'on reste dans le nom, dans les termes juridiques, etc. Une sorte de contrat stagiaire. Par contre, on a un seul unique problème. Oui, je vous écoute. Il est en train de s'éclater. Français, nous sommes Kanja. Ah, mais oui, c'était pas grave. De voir ça. Donc, oui, donc nous avons la politique étrangère, bien sûr, qui est. Vous êtes québécois, c'est ça? Oui, c'était pas grave. Oh, merde. Justement, ça permettra de faire un petit écrémage. Bon, en fait, t'as eu le message du thème. Vous avez déjà un espagnol. Voilà. Qui parle français, bien sûr. Nous n'acceptons que les francophones pour des problèmes de communication, bien évidemment. Donc, nous avons un espagnol, nous avons. La majorité des Français. Nous avons un Anglais qui a envie de. Un Espagnol, un Anglais, que des Français. Donc bah voilà, ça fera deux Canadiens, ça c'est parfait. Il nous manquait plus que l'Amérique, quasiment. Bah voilà. On a trouvé les Américains. Enfin les Américains. Le continent américain. Bref, donc voilà. Donc j'en étais où les contrats de 8. Donc voilà, donc en gros, vous toucherez un contrat stagiaire français, donc c'est-à-dire. Ça part très loin, sur la loi travail France, donc, c'est-à-dire, je fais un petit topo régulier, donc, c'est-à-dire que vous toucherez actuellement, alors en start-up société sur le net, objet comme ça, vous toucherez en moyenne 20 euros par mois, donc, c'est pas beaucoup, certes, au début, mais bon, je pense que vous faire un peu d'argent de poche, tout ça, etc., je pense que c'est pas trop mal, c'est mieux que rien, c'est un début, exactement, c'est un début. Après, vous verrez, ça grimpe. Et c'est sûr que nous rémunérons nous, les personnes qui travaillent, je sais pas si ma mère peut accepter de combien, en dollars, attendez, je vais aller tout de suite sur un comparateur, oui c'est vrai que vous utilisez les dollars, je vais tout de suite sur un comparateur. Il connaît pas ses comparaisons à par cœur. Euro, dollar, attendez j'ai un double appel. Kevin? Ouais. Est-ce que tu filmes encore? Moi? Ouais. Bah. Non, tu vois. Bah putain. Parce que là, mec, faudrait que tu viennes vraiment là. Non, mais attends, je sais, mais là, je suis quand même faire chier sur la zone vite fait. Mais tu pars trop loin, toi. Je vous reprends de suite, hein. J'ai le collègue qui a un problème qui vient de me rappeler. Ça fait 30 $. Ouais, voilà, ça fait 30 $. Du coup, je me reprends juste après l'appel de mon collègue. Je suis désolé.
Obligé. Obligé. Viens, viens, s'il te plaît. Viens, rejoins l'appel, s'il te plaît. Attends, attends. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux vraiment que tu fasses. Et tu fais le truc qui se met. Ouais, mais gros, moi je suis pas comme toi, hein. Je suis pas en mode sérieux tout ça. Hein. Mais non, mais oui, tu parles pas. Tu feras. Tu feras genre le mec. Rejoins, rejoins, rejoins. Attends, 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 attends. Là, j'ai quand même demandé à quelqu'un qui m'avait tout un truc, là, et c'est bon. Dis-moi quand. Dis-moi quand tu reviens. Dis-moi quand tu reviens parce que là, je vais la reprendre. Du coup, tu me dis. Ah, hé, t'es quand même pas. T'es quand même pas sympa, hein. C'est des Canadiens, ils sont sympas, les Canadiens de base, hein. Non, mais tais-toi, moi j'ai un truc à leur montrer. T'es quand même pas sympa, gros. Hein. Bon, tu. Rejoins, Ouais, rejoins-moi dès que attends, tu attends. peux, là je vais la reprendre. Bonjour, bonjour, excusez-moi. Mon collègue a un petit problème informatique, c'est ce qui nous embête. Être banni. C'est un petit peu le problème informatique. C'est ça. C'est pas vraiment des ordres de tôt. Voilà. En plus, nous avons une connexion plutôt mauvaise. Le bâtard, je suis une bonne condition ce bâtard. Je vais un petit peu. Je vais un petit peu regarder. Mais je suis surpris. Alors pourquoi êtes-vous surpris? De la somme, c'est ça? C'est-à-dire, elle ne vous convient pas, elle est trop importante. C'est pas moyen de. C'est... Non, mais je suis sans mots sur cela. Sans mots dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Bien, c'est plus que ce qu'on s'est. Attendez. Ah oui, mais pour nous, je sais pas si la vie au Québec est beaucoup plus chère, mais. Comment dire? Comment dire que. En France, on va dire que 20 euros, c'est pas, ça fait un peu d'argent, quoi. Je sais pas si la vie au Canada est plus chère ou moins chère qu'en France, si la monnaie est sous-évaluée ou surévaluée, oui, avec les deux taxes, et la monnaie très basse. Ah bon, d'accord, bah, ça fait toujours plaisir, je pense. Donc du coup, pour la rémunération supérieure, donc vu que vous êtes, aux yeux de la loi française, vous n'êtes pas considéré comme travailleur. Puisque vous êtes sur internet, bien évidemment, ça va être plutôt compliqué pour ce qui est juridique, juridiction française, etc. Donc du coup, vous ne pouvez pas toucher plus de 300 euros, donc ça fait 300 euros, c'est du tout plus de dollars, mais apparemment vous avez le comparateur sous le dos. Donc maximum, la légitimation française, c'est 300 dollars, c'est 300 euros. Les personnes qui travaillent sur des bâtiments en France sont largement mieux payées. Ça, c'est par rapport à la loi française, que voulez-vous. Donc j'attends votre calcul pour savoir à peu près, comme ça fait toujours du bien de savoir pour nos calculs futurs, écoutez, si nous avons des futurs partenaires québécois. Pour adapter. T'as fini ton truc, toi, en fait? Bah ouais, gars, Ah, merde. t'as cru quoi? Mais viens, 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 viens. Ah bah oui, c'est le but, que Ah. vous y intéressez. Hein. Nous avons quand même... Nous avons quand même de l'argent qui passe par là, sinon on n'aura pas de collaborateurs. Nous avons exactement 14 collaborateurs à l'heure d'aujourd'hui. 14 membres, s'il vous plaît. 14 membres. Oh, je regardais vite fait les messages si j'ai le temps, si j'en ai plus sur Minecraft. Sinon, cela marche comment très exactement? Eh bien écoutez, j'allais attendre que vous allez poser des questions. Ouais. Dans les premiers temps, nous allons conclure la vente. Enfin la vente. C'est pas une vente, c'était bon, ça contrat verbal comme je vous l'ai dit. Mais nous allons conclure en plusieurs étapes. Donc c'est-à-dire sur une période de 24 heures à 48 heures. Nous allons vous envoyer les détails. Détails par fiche volante, nous appelons ça. C'est une fiche où il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. C'est juste un petit peu des points par points qu'il faut respecter, etc. Donc si vous êtes toujours intéressé, il suffit de nous renvoyer
sur une adresse email que je veux. Vas-y, construire. Je suis intéressé, etc. Avec vos ressentis, etc. Bref. Renvoyez juste si vous êtes toujours intéressé. Ensuite, sur un délai de 1 à 2 semaines, nous allons vous faire des papiers un peu plus officiels cette fois-ci. C'est la création, etc. C'est-à-dire. Bien, d'accord. Je crois que vous allez. Mail coupé. Ah. Alors. Ça c'est ma faute. Je suis toujours perdu dans mes fiches. Voilà. Donc voilà. Sur dès d'une semaine ensuite, nous allons vous envoyer des papiers plus officiels. C'est-à-dire. C'est... Donc oui. Donc là on aura le code, tout ça, etc. S'il n'y a pas de problème. Des fois, je sais que. Notre collaborateur espagnol n'a pas reçu notre logo. Est-ce ouais, que j'arriverai à rejoindre sans rigoler, sans faire rien voilà. Donc, tout simplement pour dire qu'après, dans, on va dire, une semaine et demie, deux semaines, si vous êtes toujours intéressé, votre collaboration sera active et vous vous demanderez de réaliser sur une zone, apparemment, vous appréciez le fricule, donc vous demanderez si vous avez une autre zone ou alors de faire. Zone au-dessus de la zone, je sais pas comment ça marche. Disons que je n'utilise pas Minecraft, à part pour le recrutement. Avez-vous un site déjà accompagné? Alors justement, nos développeurs, nous sommes en train de recruter des développeurs justement. Nous sommes en train de recruter des personnes qui sont justement intéressées. Mais le recrutement de développeurs est beaucoup plus long. Nous avons déjà trois intéressés, mais le recrutement sera effectif que dans deux mois. Nous n'aurons pas encore de site. C'est un gros problème pour la communication, mais on va voir, nous arrivons dans mon script, il est en mode VS. À nous débrouiller. On va se débrouiller, exactement. Après votre officialisation, par contre, j'ai un petit problème. Je vais revenir pour vous, attendez, bien sûr. De toute façon, je vais prendre en charge mon collègue. Donc, vous pouvez envoyer un message dès que. T'as fait quoi tout à l'heure toi? Mais mec, parce que j'entendais la moitié, parce que j'étais en train de parler sur Minecraft. Mais non, mais en fait, je leur disais ouais, j'ai fait tout, mais les mecs, ouais. Les mecs, attends, ils font, ouais, on est super intéressés, ce serait cool. Mais mec, tu vois, ça, heureusement qu'on intervient, heureusement qu'il y a des gens comme nous, parce que des gens comme ça, ils pourraient se faire un maquis si on était pas là. Tu sais quoi, je crois qu'à la fin, on va dire c'était un prank et. Mais oui, mais c'est ça le but. Non mais faudrait qu'il parle un peu. Tu peux pas venir, tu peux pas venir. Non mais faudrait qu'il parle à la fin pour tester un point, parce que sinon un message, oui, ça va. Oui, faudrait qu'il parle et tout. Mais en fait mec, c'est qu'il faudrait qu'on fasse une chaîne YouTube, les éradiqueurs de... qui coulent, je sais pas, des trucs comme ça, parce que là vraiment, les mecs, c'est qu'ils ont fait peur. Hein. Ah, c'est qu'ils allaient me donner la carte bleue limite. Hein. En gros limite, ils foutent un paiement de 50€ même s'ils sont pas sûrs d'être payés quoi. Ah, bah, c'est ça. Voilà. C'est vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme nous, heureusement. Heureusement, c'est juste qu'on se fout sa gueule, c'est tout. En fait, tu vois, quand on fait ça, mec, quand on fait ça, on se dit ouais, on s'amuse tout, mais non, parce que derrière, t'as un message à faire passer. Parce que là, attends, filmé, on est ouais, tu vois, ce que j'ai fait en tant que t'es pas là, tu sais ce qui m'est arrivé? Non. Je t'avais fait chier un joueur au pile comme ça, tu vois, random. Ouais. Le gars, il m'invite à sa zone, il me met adjoint, il m'ajoute en ami sur le jeu. Non mais mec, vas-y, quitte le jeu et viens. Non, je quitte pas le jeu, je reste quand même dedans. Ouais, bah viens alors, bah viens. Vas-y, s'il te plaît. Et heureusement qu'il y a des gens comme nous, parce que tu vois, on fait quand même pas ça. Et coupe ton micro si t'en peux un peu. Pourquoi? Il y a quand même un message derrière. On veut à toutes les personnes qui nous regardent sur la chaîne de Dark Evil 144. Faites gaffe à des gens comme ça. Parce que comme c'est bien qui savent bien manier les mots, comme moi apparemment. Voilà, ah bon? Je suis obligé de les faire. Ils peuvent vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc vraiment, il y a un message derrière. Mais par contre, si c'est moi qui vous propose de faire des trucs malsains, là vous pouvez le faire. Ah bon? Voilà. Non, je rigole. Il y a vraiment des gens comme moi qui. Déjà, voilà. Ça, c'est un. Minecraft en plus, c'est un super moyen d'attirer des gens comme ça. Ah mec, arrête! Oui, c'est très bizarre ce qui arrive. J'ai tapé des étrangers quoi. J'ai tapé des Québécois, je savais même pas. Ma chaîne elle va devenir éducative de ta faute là. C'est une chaîne éducative. C'était pas mon concept à la base.
C'était pas le concept, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Et heureusement qu'il y a des gens comme nous, quand même. Parce que vraiment, sinon, ce serait... Ou attends, mec, ce qu'il faudrait faire pour leur dire, c'est... genre, ouais, alors nous avons passé à une vidéo YouTube, il faut que vous la regardez consciencieusement jusqu'à la fin. Et là, et en fait, on va leur balancer ta vidéo YouTube dès que tu l'auras montée, tout ça. Et en fait, ils verront que ce sera un truc. Ah bon, je vais pas le dire carrément à l'oral. Non, parce que là c'est bataille. Moi je quitte, tu peux faire ce que tu veux. Ah bon? Ou alors on leur dit oui, c'est une vidéo à but préventif justement. Ou alors, mais faut que tu viennes. Ouais, mais c'est bien de dire des trucs, mais si tu dis des trucs à la con, moi je fais pas le montage. Mais non, oui. Tu vas pas dire des trucs à la con, tu vas juste te demander de faire des interventions, genre. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, cher collègue? Toi, je te rappelle, t'es une compagnie qui met en relation les trucs. Donc, Ah, mais s'ils pourraient mettre un micro quand je suis là, ça serait bien aussi, tu vois. Mais bon. Ouais, t'inquiète. Attends, l'air voilà. Mais tu sais que l'accent québécois, ça me fait un peu rigoler un peu, tu vois. Vite fait, hein. C'est ah, pas non, méchant, t'inquiète. Mais. Ouais, t'inquiète. Non, mais... C'est pas méchant, mais. Viens, s'il te plaît. Viens dans la con, s'il te plaît, par pitié. Ah, je veux bien, mais à un moment, s'il parle pas, c'est pas marrant. Moi, je veux. Me revoici aussi avec les petits papiers. Depuis être là, donc voilà. Donc du coup, on était à la finalité. La finalité. Donc voilà, dans 2 semaines, entre guillemets, vous serez, entre guillemets, salarié, même si c'est bien un grand mot, parce que vous n'avez pas de contrat. Et en gros, là, on vous demandera, donc comme je l'ai dit, sur une zone de free cube apparemment, ça s'appelle comme ça sur le draft. Je suis pas un expert, mais je crois que ça s'appelle comme ça. On a assez de... On a suffisamment de campagnes de recrutement pour savoir comment ça s'appelle, voilà, ouais, c'est la free cube. Donc du coup, voilà. Donc on va refaire un petit test pour savoir, parce qu'on a eu des collaborateurs qui nous ont menti sur votre âge. Est-ce que vous êtes donc au-dessus de 14 ans? C'est encore une petite vérification, toute basique. Donc tant qu'il y en a un de vous deux qui est au-dessus, voilà. Oui, comme on l'a dit. Bon, voilà, c'était juste un petit contrôle parce qu'on a des gens comme ça qui malheureusement manquent. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. On a perdu beaucoup de gens comme ça. Bon bref. Donc du coup voilà. Donc d'ici 2 semaines, si vous êtes toujours intéressé, que tout se passe bien, on va vous demander de faire sur un thème particulier une construction. Et donc, si la construction vous plaît, vous recevrez votre première rémunération. Donc, c'est-à-dire, si je compte bien, ça fait 30 dollars, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça, 30 dollars, oui, c'est 30 dollars. Les constructions servent à quoi? Alors, oui, les constructions de début de pré-entrée, que nous appelons ça. C'est-à-dire, parce que nous avons quand même de plus en plus de personnes intéressées, faut pas se le cacher. Pas pour chancer des fleurs, mais on a quand même de plus en plus de personnes intéressées. Et malheureusement, il se trouve qu'ils sont bons sur un thème, et malheureusement, d'autres thèmes qui pourraient leur correspondre, oui, bien sûr, on vous fera aussi un petit questionnaire dans le truc pour savoir qu'est-ce qui vous correspond plus. Et je vais vous donner l'exemple d'un luxembourgeois qui a voulu se joindre à nous. Donc il avait fait une très très belle construction sur le thème du Moyen-Âge, des murailles, etc. Donc, on a voulu en vous passer un questionnaire pour savoir trois autres thèmes sur quoi il pourrait correspondre. Donc, par exemple, je sais pas, le football, etc. Je crois qu'il avait pris forteresse, immeuble et maison futuriste. Et nous lui avons fait passer comme test de pré-entrée la maison futuriste. Et malheureusement, il se trouve qu'il s'est... On va parler familièrement, hein, la chie à la colle. Waouh. On va dire que voilà, il s'est totalement loupé, donc il n'a malheureusement pas reçu son premier salaire. Et donc du coup il n'a pas pu rentrer. Donc voilà. Donc bien évidemment, avant les 2 semaines, vous recevrez bien évidemment une dizaine de thèmes sur lesquels on est susceptible de vous interroger pour le test de pré-entrée. Et vous pourrez en choisir parmi trois, ou les trois seront, on choisira parmi les trois. Voilà. Donc je vous demande 2 secondes, mon collègue me rappelle.
En gros, t'es. Ça va être une chaîne de prévention. Prévention. Ouais, les gars, ils sont pas bien. Je te jure. Et là où tu verrais la courbe du niveau, c'est incroyable. Genre, là, tu vois, limite, là, c'est des gens, tu vois, qui sont trop crédules. Attends, t'as mis à fond ton son sur Steam parce que j'entends plus fort sur Steam que sur Skype, c'est très bizarre. Attends, mon son, ouais. Comment on fait déjà pour les sons pour sur Steam? Je vais leur dire. Je crois que c'est comme ça, volume de réception. Ouais, je t'ai pas mis à fond. Vas-y, parle pour moi. Ouais. Ah, bah c'est beaucoup mieux, j'entends mieux, je t'entendais pas si longtemps. Est-ce que tu peux rejoindre la con Ouais. Moi, j'ai même plus écrit le. Oh, putain. Parce qu'en fait, j'ai remarqué sur Steam, le son il est nickel, il n'y a pas de parasite, mais sur Skype, gros, pas. Par contre, ils savent jamais Est-ce que parler tu en peux fait. rejoindre la conversation? Est-ce que tu peux rejoindre la conversation? Ah bon, je vais la rejoindre, c'est bon, je crois que je suis Eh bon là. ben, j'aimerais que tu le fasses maintenant. Mais quelquefois j'ai coupé mon micro, on sait jamais parce que. Maintenant. Bah ouais, ce serait bien. Mais Ouais. coupe ton micro, hein, si... Coupe ton micro en arrivant. Je coupe mon micro en arrivant. Ouais. Ouais, il y a 2 secondes en Tu fait le j'étais déjà à découperas quand l'intérieur, même. j'avais coupé mon micro, mais bon. Non, si tu veux voir que je retourne. Ah, t'étais déjà à l'intérieur? Ouais. Ah non, t'es pas à l'intérieur. Non, je suis plus à l'intérieur, mais j'étais à l'intérieur avant que tu les laisses Bah tout ça. vas-y, viens. Viens. Mais ça fait un Viens, son viens, dégueulasse, gros, mais bon, je suis obligé. viens. Vas-y, c'est pas grave. Non, bon, ok, je vais dedans. C'est bon, je suis dedans, j'ai coupé. Ah, donc voilà, mon collègue est parmi nous. Donc je vous présente mon Mon collègue. collègue. Donc il s'appelle Kevin, comme vous pouvez le voir sur son magnifique avatar. Bref. Donc alors, Kevin, le collègue, donc il représente une société, dirons, pas concurrente, mais qui travaille avec lui. C'est-à-dire qu'il met en relation des gens comme vous. Des gens comme vous. Donc comment dire? Donc apparemment, son micro est défectueux, donc il va essayer de parler le moins possible. Bon bah, il y a toujours des problèmes dans la compagnie, toujours des problèmes. Bref, Mon donc du coup, format. il représente, entre guillemets, il se charge de mettre en relation les gens, etc., etc. Je vous demande 2 secondes. Attends, hey, maman, tu sais quoi? On fait des messages de prévention. On fait des messages de prévention, parce que là, tu vois, avec Kevin, avec sa chaîne, on est en train de tourner un prank, entre guillemets, Tu et en parles à fait, qui ce, tu t'as dit tu parles à qui en ça fait là? montre la crédibilité des gens, parce que là, on a été sur Minecraft et tout, là, et ça montre la crédibilité des gens, parce que là, on... Vraiment... Là, il est en mode. Oui, mais en gros, c'est juste un petit problème qu'il fallait éclaircir, un petit problème technique. Avec des câbles, etc. Donc bref, donc oui, donc on était à mon collègue Kevin. Donc Kevin, c'est une personne qui met en relation les terrains comme vous. Donc par exemple, je ne sais pas, le problème de communication, comme vous pouvez le penser, entre l'Espagne et l'Angleterre sont quand même assez problématiques. Donc quand par exemple la personne, collaborateur espagnol, veut parler avec notre collaborateur anglais, il passe par Kevin car la communication directe est compliquée entre les deux pays avec les millisecondes de décalage. C'est beaucoup compliqué. C'est beaucoup compliqué, j'en perds mon français. C'est quand même assez compliqué entre deux pays assez éloignés pour communiquer, pour faire des constructions, etc. Donc voilà, c'est Kevin qui s'occupe, mon collègue qui s'occupe de mettre en relation des gens. Donc par exemple, si vous avez envie de communiquer avec l'anglais, pour savoir ses qualités, ses défauts, ce qu'il peut voir, etc. Pourquoi pas devenir un futur collègue, etc. Vous demandez à Kevin, il s'occupera de vous mettre en relation
avec, en fait, comment ça se passe. Notre ordinateur le plus puissant, entre guillemets, est affecté à la communication. Donc en gros, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre un serveur à votre disposition de communication pour que vous puissiez parler sans problème, sans trop de grésillement, etc. Donc ton problème n'est toujours pas réglé apparemment, Kevin. Tant pis, c'est pas grave. Comme toi. C'est pas grave. Donc tant que t'es là, tant que t'écoutes un petit peu le déroulement, c'est parfait. Donc voilà, donc au moins vous avez pu rencontrer une autre personne du staff, c'est parfait. Donc du coup, après le test de pré-entrée justement, qu'est-ce que... Donc vous allez recevoir votre premier salaire, qui signifie que vous êtes à part entière collaborateur, et toutes les deux semaines ou tous les mois, ça dépend de nos disponibilités et de nos demandes, parce que oui, nous avons des demandes pour des serveurs reconnus, avec IDMC, je ne sais pas si vous connaissez IDMC. Ils sont des blazes. C'est quand même un classique. Oui. Un très grand serveur. Bah, apparemment, il tourne quand même pas mal de connectés. Bref, nous avons des demandes souvent. Enfin, nous avons eu un contrat. Ah non, je suis sûr. Et disons un site internet IVMC, je pense. Vous pourrez en parler à votre collègue, hein. Vous pourrez en parler. Ils ont un site internet qui tourne à environ 5000 connectés, je sais plus. La dernière fois qu'on a fait un contrat avec eux, c'était... voilà, bon bref. Parce que c'est important quand même que vous sachiez un petit peu avec qui on travaille pour vous montrer notre sérieux. Donc voilà. Donc du coup, nous avons eu un contrat avec eux pour... que nous construisions une partie du lobby. Une partie du lobby, donc c'était une partie très petite, hein. C'était une partie qui ne se voit même pas, il faut vraiment chercher pour voir notre collaboration. Donc IDMC, il faut savoir que les constructeurs de IDMC sont des représentants de différentes compagnies telles que les nôtres. Ce ne sont pas des constructeurs recrutés par IDMC, enfin, ils ont été recrutés par IDMC, mais ils sont constructeurs IDMC. Mais disons qu'ils contactent des organismes pour faire un petit peu des petites constructions, même si souvent ce sont les fondateurs, les administrateurs qui se sont occupés de la plus grande partie du hub. Et nous avons fait une petite partie, donc nous sommes très fiers, nous sommes vraiment très fiers de ça. Donc voilà, donc selon les demandes, donc on imagine que... C'est pas Funcraft qui demande de construire une petite partie du spawn du hub. Et bien toutes les deux semaines, on vous demandera un rapport sur les constructions par rapport à un thème que notre partenaire veut. Comme par exemple, on imagine que IVMC nous a demandé, il y a dans son dernier contrat, une sorte pour téléporter à la zone C. D'accord, merci bien, je garde ça en détail, je vous remercie. Donc du coup, le thème était montagne, donc nous avons construit une petite montagne en modèle réduit. Donc nous avons demandé à nos 14 collaborateurs de construire une petite montagne sur leur zone et de nous envoyer un screen ou une vidéo de leur petite montagne en modèle réduit. Parce que bien évidemment, si nous présentons à IDMC un projet tel qu'une montagne grandeur réelle, pensez bien qu'ils ne vont pas accepter. Donc nos 14 collaborateurs ont été reçus. D'autres ont voulu participer. Il y en avait une dizaine qui ont participé à ce projet, donc 4 ont refusé totalement parce qu'ils ne savaient pas faire de petites montagnes. Donc du coup, ils n'ont pas voulu participer. Ensuite, ils nous ont envoyé les screens de petites montagnes. Ils nous ont sélectionné les deux meilleurs. Donc les deux meilleurs reçoivent un petit bonus salarial par rapport à leur salaire, donc c'est 15% en plus. Donc on imagine que, allez, vous touchiez, on va faire un, on imagine que vous touchiez $100 pour faciliter le calcul. Et bien 15% de bénéfice, ça fait $115 si vous êtes sélectionné parmi les deux premiers. Donc vous toucherez $100 au bout de quelques mois de présence dans notre petite entreprise. Donc ensuite les deux s'affrontent là cette fois-ci sur le hub de AI. Enfin, c'est un hub fait à part entière, hein, pour les constructeurs, hein. C'est pas le hub fait pour tous les joueurs.
parce que sinon on comprendrait bien qu'il y aurait des petites questions qui se poseraient dans le hub. Et donc Hive, ce sera plus nous qui dirigeons, ce sont les directeurs, les administrateurs de Hive si vous préférez, qui seront celui qui sera apte. Alors, ensuite si vous êtes sélectionné par un contrat d'un serveur quelconque, nous recevrons bien évidemment de l'argent. C'est quand même le but de l'entreprise, de faire de l'argent. Et ensuite, nous redistribuerons de l'argent, 50% va pour nos salariés, donc pour nos salariés, c'est un grand mot, enfin, je sais pas ça comme ça, on appelle ça comme ça en France. Donc 50% va pour les collaborateurs, voilà, les 14 personnes qu'on a, 50% de recettes vont pour les salaires, 20% vont pour nos infrastructures, et le reste va pour les petites sommes, les petits bonus entre guillemets. Donc si Hive est content de vous, le bonus sera, il y aura un petit pourcentage de bonus qui vous sera donné. Et pour la paye du contrat qu'un serveur vous donne, c'est 75% payé par l'entreprise F-Company et le restant payé par le serveur qui nous a demandé le contrat. Mais sinon, on imagine dans le pire des cas que nous n'avons pas de contrat. Dans ce cas-là, tous les mois, on fera des petites interrogations, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu près ça, des petites interrogations sur la construction pour savoir si vous ne perdez pas... Donc ce sera exactement sur le même thème que lors de l'interro de pré-évaluation, de pré-entrée entre guillemets, pour le pré-salaire. Donc si vous en souvenez quand même, parce que si vous en souvenez pas, c'est un petit peu grave. Bref. Donc du coup ce sera exactement le même thème, mais on vous demandera de rajouter des trucs. Donc ça ce sera tous les mois si on n'a pas de contrat. Donc il n'y aura pas d'exclusion. Des tests de routine, exactement, comme des examens entre guillemets. Mais si vous loupez, il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y aura pas de blâme, c'est juste qu'au bout de trois fois qu'on n'est pas satisfait de trois interros de routine, on sera obligé de mettre fin à votre salaire. Juste, si on n'est pas content, disons qu'on va baisser un petit peu votre salaire, ce qui est normal. De suite. Je comprends pas le sens de suite. À quelle phrase fait-il le lien ? Kevin, as-tu réparé ton micro? Tu es à ce point-là que je vienne, putain. Bah, c'est pas important, là. Si ah, mais pas, non, mais toi, tu gères les trucs comme ça, moi. T'écoutes, là. Ouais, mais j'écoute quand même en Steam, je t'entends aussi. Hein. Ouais, bah, génial. Okay. J'entends tout. Donc, attends juste votre réponse. Pour nous. 1, 2, 3, fail, tu meurs, ou si tu fails pas au deuxième, tu es sauvé. Alors, c'est disons que c'est trois échecs entraînent le comment dire, la fin du salaire. Donc, du coup, c'est-à-dire la fin du contrat verbal. Donc, c'est-à-dire que, et ça, il n'y a pas de... Il ne faut pas non plus faire trois piles, hein. Si jamais vous me fait un... Vous avez honoré un très grand contrat et que vous avez deux échecs, au bout du troisième, on peut dire il a fait quand même un très beau contrat, on va lui laisser encore une chance. Mais sinon, oui, c'est un échec, deux échecs, trois échecs, et c'est fini. Parce que quand même, après, il y en a des tasses limites, et si jamais on garde des personnes qui ne sont pas de très grands recours, ça va être plutôt compliqué. J'espère que vous comprenez ça quand même, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Après trois échecs, c'est un licenciement excepté pour les grands contrats, c'est ça. Voilà, en gros c'est ça. Si vous avez fait un très grand contrat, mais que par la suite, vous avez une baisse de régime, vous enchaînez trois échecs, on va dire, allez, on va les laisser quand même une chance en plus quand même. Parce qu'ils ont fait un très grand contrat. Voilà. Donc pour nous, ce qu'on appelle le grand contrat, c'est un serveur de plutôt grande renommée qui tourne autour de 2000 connectés par jour. Donc on en a tous les mois, disons. Le dernier en date est celui de Blue Symphony. Le dernier contrat en date que nous avons. Oh, Blue Symphony, quoi. Je sais pas si vous connaissez Blue Symphony. Oh, le gars, il y a voilà. Pas assez de Blue Symphony.
TGT Faction. Je crois qu'il s'est appelé ça comme ça, Blood Symphony. Enfin bref. Avez-vous déjà eu des contrats avec Twitch? Alors non. Avec Twitch, nous n'avons pas encore eu parce qu'ils ont quand même des organismes beaucoup plus performants. Avec Twitch, je pense pas que dans l'immédiat on aura pas. Funcraft non plus. C'est plus des petits serveurs à renommée ascendant. Disons comme par exemple IVMC. Le maximum qu'on pourrait avoir, la limite, c'est... Allez, je vais m'avancer un petit peu, mais disons que c'est Mindplex. Je sais pas si vous connaissez non plus. Mais nous n'avons pas encore eu de contrat de Mindplex. Ouais. Nous espérons un jour. Donc bref. Donc oui, donc voilà. Les échecs, ça s'est fait. Les réussites. Donc à chaque contrôle de routine, entre guillemets, on élit les trois meilleurs. Les trois meilleurs auront, disons, une place prioritaire sur les gros contrats. C'est-à-dire que on va les favoriser. Si on hésite, par exemple, si on hésite entre 5 personnes et qu'il n'y en a que 3 qui peuvent être pris, ben on prendra les 3 qui ont eu des très bonnes notes au contrôle de routine. Et bien sûr, chaque contrôle de routine s'accompagnera d'une petite note et d'un petit commentaire sur votre construction pour voir un petit peu vos faiblesses, vos qualités, où vous améliorez, etc. Je pense que c'est plutôt pas mal, on a eu des bons retours concernant ça. Mais j'y pense, est-ce comme l'histoire des dons non véridiques et Twitch et le salaire non véridiques? Écoutez, pour savoir, nous n'avons aucune preuve pour voir si votre salaire est bien fait, mais c'est lors de la première paye que vous allez voir si lors de la première paye, comme si ce n'était pas votre carte. Alors oui, les moyens de paiement, merci de me le rappeler. Donc il va falloir par compte PayPal. Donc il faudra un compte PayPal. Oui, certains veulent travailler en équipe comme vous, mais moi. Travailler en équipe. Alors oui, les équipes. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire. Les équipes et le paiement. Nous allons commencer par le paiement parce que le flemme a d'abord abordé ce sujet. Donc du coup, alors il faudra forcément un compte PayPal. Donc si vous n'avez pas cette très simple utilisation de création, vous n'avez pas besoin d'entrer une carte de crédit, c'est. Voilà, ça gère les sous, etc. C'est. Disons un compte en banque virtuel. Vous n'avez même pas besoin de mettre de relier un compte de crédit. Juste en VSL, c'est vraiment très simple. Non, c'est pas simple. C'est très simple. Je sais, je vais créer un atout. Voilà. Moi, je préfère ton parti. C'est moins violent. Si jamais. Ça, c'est toujours. Le pire, c'est pas grave. Monsieur Flemme, c'est le pire de votre. On versera trop de salaire sur votre collègue. Ah, votre collègue a un problème, je crois. Ah oui, en effet. Je crois que tu peux un peu stopper là au niveau de ce truc. Il va falloir qu'on innove vite, et très vite. Sinon, on va prendre du retard sur nos concurrents. Voilà. Donc, du coup, si Flemme n'est pas pour raison X ou Y créer un compte PayPal, je compte sur vous, pour votre extrême confiance, pour lui donner sa partie de salaire. Parce que, voilà, on va vous donner la liberté de salaire, c'est-à-dire. Et si jamais on apprend que Flemme n'a pas reçu son salaire, disons que ça va mal aller, quoi, parce qu'on dira. On a versé deux salaires sur lui, voilà. Bon après, la confiance, on va pas la remettre en jeu. Voilà, faut imaginer. Bah, c'est parfait. Là. Vous aimez bien travailler avec des gens qui sont bons amis, qui se connaissent déjà, parce que nous savons qu'on a pas beaucoup de choses. Voilà, on va créer en plus. T'as pas envie de stopper là ton entretien, tu peux toujours continuer. J'en étais, nous sommes bientôt à la fin de l'entretien. Oui, parce que là, ça commence tard, hein, l'entretien. Le deuxième... Attendez deux secondes, j'ai un double appel. Je reviens dans deux minutes, je reprends mon collègue qui était malheureusement
qui a dû malheureusement quitter précipitamment. Je reviens dans une minute. T'inquiète, je vais essayer de... Je suis bien excité. Tu sais que tu peux dire un truc pour genre demain, tout ça, pour préparer des trucs, tout ça, hein, parce que là... Oui, je vais dire demain. Bon, oh, depuis 23h on a lancé ça, mais là il est 23h40, on est sur le même truc. Mais ouais, mais c'est excellent, tu trouves pas? Ouais, mais bon, c'est excellent, moi, en... Mais on fait une série avec ça. Moi, vu que c'est pas trop mon truc, je te laisse parler, mais entre deux gros, je me fais chier à jouer, je te dis. Mais ouais, mais tu peux parler, je sais pas. Moi. Non, mais moi, je suis pas en mode sérieux. Attends, mec, demain, je me fais... Bah, tu fais pas trop sérieux, tu fais... On va dire que ce sera... Déjà, je te laisse pour le premier truc qu'on fait, là, pour l'instant. Ouais, mais t'inquiète, demain, je leur dis, ouais, il y aura un autre podcast demain. Ok. Je te parle demain. Non, demain, ils verront sur YouTube la vidéo, c'est tout. Il est fini. De quoi? Demain, ils verront la vidéo sur YouTube et fini. Non, mais demain. Parce que... Demain, ah, si j'ai temps de la poster, je la mets sur YouTube. Là. Ouais, mais ouais, je suis là pendant plusieurs jours, vu que c'est les vacances. Ah bah, excellent, parce que demain, ce serait... Tu le mets, mais tu leur balances pas encore le lien. Tu leur balances pas encore le lien. Ah, ça c'est juste trop longtemps, là, je suis déjà une heure de règle, gros, il y a un moment, tu sais que c'est soit que je suis obligé de faire des montages et de couper un peu, ou soit je vais tout mettre, mais là, gros, vu que j'ai des problèmes avec YouTube pour mettre une vidéo en ligne. T'inquiète, je vais bâcler, je leur dis juste un truc, je leur dis le premier entretien est fini. Parce que je galérais, gros. Je bâcle. Là, je reprends, donc ouais. Parce que tu me déconcentres pas, en fait. Attends, 3, 2... Me revoici. Vraiment, j'ai vraiment un problème avec son ordinateur. Celle qui est extrêmement bonne, normalement. Il ne reste plus qu'à parler... Alors, c'est Monsieur Smalley, si je ne pas le pour le travail en équipe. Oui, on fait un truc junior. Donc, on laisse les gens qui sont de base amis travailler ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a des meilleures rentabilités sur quand on fait travailler les gens. Alors, par contre, vous aurez parfois sur des contrats quand même, vous devrez travailler quand même avec d'autres collaborateurs. Comme par exemple, Hive. Il y avait trois groupes, donc ils étaient six pour la pré-évaluation d'entrée, après il y en avait deux, donc du coup c'était une personne d'un groupe et une d'un autre. Donc c'était pas le groupe de base, mais ils ont dû s'entendre quoi. Ils ont dû travailler à deux même s'ils ne connaissaient pas. Mais ça s'est toujours bien passé. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? Parce que le premier entretien d'information est fini. Donc si vous avez des questions, je puisse y répondre. Ou alors nous refixons un rendez-vous pour finaliser les petits trucs. Nous devons contacter si vous êtes toujours intéressé, mais vous êtes assez précis. Eh bien je vous en remercie. C'est quand même un bon entretien, je trouve que c'était un bon entretien, assez constructif, avec des personnes qui m'ont intéressé et plutôt compétente sur ce que j'ai vu. Donc, si vous n'avez pas de questions, de rien, mais c'est important de parler à ce que je vois. Je vous en remercie. De plaisir. On dit des choses comme ça. C'est un petit peu mon travail, opérateur, etc. J'ai un petit peu des double casquettes. Donc, je vous remercie. Ça peut être un peu dans la mauvaise voie. Et vous revient. Et bien écoutez, c'est exactement ce que j'ai vous proposé. Alors par contre, si vous êtes toujours intéressé, est-ce que nous pouvons refixer un rendez-vous pour parler de choses un peu plus administratives? Parce que là, c'est un petit peu la phase de la formation. Donc, avez-vous une journée particulière demain, après-demain? Avez-vous une journée particulière où vous pouvez prendre le contacter? Demain, je crois pas. Avez-vous une journée où vous êtes sûr ou même parler à un entrevue différemment hein. Genre, ça dépend hein. Si vous avez par exemple des disponibilités qui sont
possible avec vous. Attends, c'est les vacances quand même. Ah bah non, c'est pas les vacances pour eux. Je suis disponible lundi et le soir la semaine. Mais écoutez, Smolley, je suis désolé avec ce que j'ai pour moi. Dire, je pense que je l'écorche. Bon bah, disponible lundi le soir la semaine, exactement comme moi, en gros. Bah écoutez, nous verrons ça peut-être demain si j'arrive à vous choper. Donc là, nous parlons de choses administratives. Si vous êtes toujours intéressé, bien sûr. Si vous n'êtes plus intéressé, vous m'en soucinez par petit message Skype. Et bien évidemment, je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous me réenvoyer la zone des jeunes talents que vous avez dit? Elle dit bien des jeunes talents. Des jeunes talents qui apparemment seront intéressés pour constructeur. Voilà, merci beaucoup. T'as quand même déjà jeune talent pour une zone comme ça au pif. Copier le texte, je vais le mettre tout de suite. Je vais l'envoyer aussi à mon collègue qui malheureusement n'a pas cité. Oups. En plus il va m'envoyer lui. Oups, oups, oups. Voilà. Nous sommes 7. Grosse dose qui pourrait être intéressant. D'accord. Bon écoutez, ça vous pouvez parler entre vous. Alors par contre, je vous demanderai de ne pas parler entre vous sur cette conversation, car ce serait c'est la conversation d'information, d'administration, tout ça d'administration. Donc si possible, si vous pouvez parler entre vous, parlez entre vous, déjà de message privé. Parce qu'après, il y a beaucoup de trucs, tous les messages que vous avez envoyés en fait. Mais j'aimerais, enfin. Nous aimerions, avec mon collègue, pour aller revoir par rapport à ça, on m'a dit ça, ils ont dit ça, ils sont intéressés, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà. Donc c'est juste pour pas embaumer le chat. Donc par contre, les prochaines vidéos, ce serait quand même pas trop mal qu'on puisse tendre notre voix, parce qu'il y aura quand même des questions plutôt pointues à développer avec l'oralité si possible, bien sûr, si on n'avait pas de micro passant. Oui, vous allez bien écouter ça. Donc c'est tout bon, vous n'avez vraiment pas de questions. Tout va bien. Ben voilà. Et là, pareil, vous m'avez écouté. C'est une agréable soirée. Chez vous, il doit être le tôt. Attendez, je vais quelques 6 heures. Il doit être 6h47, d'accord. France, il est minuit. Voilà. Donc nous le compte fermé, donc c'est pour ça que je mets un peu au terme à cette conversation. Je vais en discuter avec mon collègue, on en reparlera. Eh bien écoutez, parfait. Parfait, donc je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et au plaisir de nous revoir. Au revoir. Putain mon gars. Ouais. Ah mon gars. Ah mon gars. Ah bien, il y en a pas bien, je crois. T'es là ou pas? Hein? T'es là ou pas? De quoi je suis là? Bah, je suis là, je suis en moi. Je... Ouais. Ah mais t'es quand là? Bah ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, ma couille? Eh mec. Qu'est-ce que t'appelles? Je me dis. Bref. Mec, tu peux couper ton record de salut à tous les gens. T'as bon, t'as fini ton petit truc? Ah, j'ai fini mon truc. T'es content? Je suis content. Et je m'en fous, tu mets ce soir, hein, tu mets demain. Donc qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ce que tu viens de faire? Je sais pas, pour fun. Alors, bah écoutez, je filme encore là. Tu filmes encore ou pas? Ouais. Ben, ce que j'ai à dire, c'est que ces personnes, là, vraiment, si c'était un arnaqueur, ils pouvaient faire vraiment tout ce qu'ils voulaient, quoi. Comme garçon. Tu crois? Vraiment, les gars, vraiment, les gens, les abonnés, les Dark Kevin, les personnes qui regardent cette vidéo, vraiment, faites vraiment gaffe à des personnes qui vous interpellent comme ça. Vraiment, après, c'est bien de parler à des gens comme ça, des jeux, tout ça, mais vraiment, des personnes comme ça, vraiment, leur confiance, quoi. C'est des gens comme ça, voilà. Ils leur parlent.
Mais vraiment, demain, on continue cette série. Ouais, le gars, j'ai pas dit si je continue, le gars, il dit si je continue, bah, comme toi, gros. Bah, c'est ça, t'inquiète, c'est ta chaîne. Enfin, après, je m'en fous, demain, tu mets, je vais voir ta chaîne. Ouais, je t'ai dit quoi, j'avais des promesses sur YouTube, bah, déjà, ma vidéo, tu m'as fait en une heure, alors que. Attends, tu comptes la mettre quand? Ah, bah, normalement, ce soir, si j'arrive à la mettre en toute la nuit, ça passe, hein. Bon, c'est bon, ça, c'est bon. C'est bon ça, je vais voir le résultat, ça va être bon ça mon gars. Peut-être faire des montages pour enlever les trucs non intéressants. Je ne sais pas. Ah ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer le mec. De rien, c'est votre talent de parler à ce que je veux. Oh ça m'a fait kiffer. What? Ah je te jure. Mais... J'ai éjaculé mentalement mon gars. T'as dit ça le gars? Bah ouais. Wow. Attends, je mets mon micro, ça me saoule. Vas-y, mais je vais aller coucher, moi. Déjà, le gars, à minuit, le gars, il est en mode, putain, je vais aller coucher. Bah, il est minuit, je vais aller dormir, un peu. T'es sérieux, lui? Attends, mais mec, un truc de ouf. Je me doute, un truc de ouf. Oh, mec, ce serait tellement kiffant. La seule chose à dire, c'est que ne faites confiance à personne. Ouais, ne faites confiance à personne. C'est quand même un peu bâtard de dire ça comme autre chose. Genre, le gars, ouais, il va regarder la vidéo, il va dire. Le titre de la vidéo, c'est J'arnaque deux personnes, faites attention. Go, tu veux dire ça, les gens, ils vont plus avoir confiance en leur mère, limite. Ah bon. Ah, mais c'est clair. Non, là, j'ai gueule, c'est trop. Hein. C'est clair, alors, Daron, quand même, gros, c'est chaud. Hein. Ah, mais non, mais vraiment, ça me fait pitié quand même. Du coup là le gars il est en mode mec, si demain matin j'aimerais trop que la vidéo soit sur ta chaîne pour que je regarde à quel point j'ai fait mon enculé. Non pourquoi tu veux t'entendre parler c'est ça? Ah ouais j'aime trop entendre parler de tes vidéos. Putain il est très bizarre lui. Oh putain bah, c'est un kiff de votre espèce qu'il y a. Bah t'as cru quoi? Eh je suis bon moi. Ouais. Attends, je le fous, hein. Je le fais. Hein. Et demain, on continue. Hein. Demain, on continue. Hein. Ah, bon. Ah, bah ouais. Attends, je suis sur un bon filon, mon gars. Un bon filon. Ah, c'est le meilleur filon, mon gars. T'as quoi à dire aux gens que t'as arnaqué vite fait? Bah, j'ai envie de leur dire s'ils écoutent la vidéo. Ouais. La prochaine fois, quand il y a des personnes comme ça qui sont passés pour une compagnie ou alors qui disent ouais vous voulez gagner un coup de Minecraft tout ça les écoutez pas faites votre jeu parlez avec des gens que vous connaissez en vrai ou qui vous savez en qui vous pouvez avoir confiance mais voilà c'est tout quoi. Par contre c'est un peu abusé quand même qu'ils ont cru qu'on allait les payer par rapport à la construction dans un vieux Facebook sur Minecraft quand même. Mec, c'est quand j'ai dit ouais votre rémunération ce sera $30. Ça m'a fait pitié, ils ont cru. Gros, à quel moment va te rémunérer si tu fais des constructions sur Minecraft? C'est impossible ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Putain, mon gars. Une heure de vidéo demain matin, regardez, ça va être bon ça. Le quoi? Mais, calme-toi, les vidéos. Ah bah si, une heure de vidéo de Dark Kevin, c'est le best ça. Ah, arrête de faire ça, gros. Bah si, tu jettes des fleurs. Non, c'est bizarre de jeter des fleurs. T'es mon youtubeur préféré. Putain. Calme-toi quand même. Hein. Et demain soir, t'es là ou pas? Tous les soirs, je suis là. Pourquoi tu me casses les couilles avec le soir? Ah bah c'est parfait, c'est déjà parfait. Demain, on continue. Déjà, attends, demain, les gars. Demain, on est qu'à jouer le dimanche, je crois, ouais. Ouais. Si j'arrive bien à me lever le matin, bah je joue ce matin. Dès que je me lève. Ouais. Bah ce matin ou soir, on verra. Le soir, bon. Je peux. Mais parce que... tu sais que je suis trop fier. Je suis trop fier de moi, mon gars. Parce que le soir, je suis venu tard, t'as pas remarqué, parce que en fait, j'ai mangé frites et tout ça, j'ai fait tous les bails ce soir, tu vois. Non, mais t'as ouais, tu vois. Bon, bah voilà. Bon, allez, je vais coucher, c'était sympathique. Bon, demain matin, je compte sur toi pour voir la vidéo. Demande ça à YouTube, parce qu'avec ces bugs, ces temps-ci...
Ouais, mais ça, fais voir combien de temps ça prend, si tu ne montes pas. Ah, si je monte pas, bah putain, bah, j'en ai pour longtemps, putain. T'en as pour 24 heures. Oh, bon, on peut dire ça, hein, comme ça. Hein. Bon bah monte, fais un concis, puis voilà, tu fais tout possible. Bref, c'est pas ma chaîne, c'est la tienne, je vais pas t'imposer des trucs non plus. Façon, celui qui fait plus de montage entre nous deux, on va pas se le cacher, mais on sait c'est qui. Hein. Ouais, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Normalement. Bon allez, je te souhaite une bonne nuit, plein de rêves. Ah, tu vas dormir maintenant, toi À tu restes un tout petit demain, peu vite à fait en demain matin ou attendant. à demain soir. T'es comme ça, toi. Allez, ça. Voilà, c'était un peu, voyons. Je vais pas rester À un demain. peu. Non, avec les droits de main. Voilà, Je vais aller bisous. dormir. Non, le pauvre petit. Oh putain, ce Parce que con. vendredi, j'ai fait ma JDC. Non, bah moi, vendredi, j'ai pas pu aller en cours, tu vois. Ah bon. Vas-y, tchuss, je fais dodo, je vais mourir sinon. Ouais, bon.